Bonjour à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez tout apprendre quelque chose de nouveau. Mais avant cela, révisons ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire ce que vous avez appris dans le cours précédent? Dans le cours précédent, vous avez appris à connaître l'outil texte, la bague d'outils de dessin, le volet de diapositives et la mise aux pages des diapositives. Vous allez maintenant allumer votre ordinateur et utiliser la méthode qui vous a été enseignée pour ouvrir le fichier d'impresse. Dites-nous maintenant ce que vous allez apprendre dans le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser toutes les options de la bague d'outils de formatage, comme le nom de la police, la taille de la police, le gras, l'italique, le soulignage, la couleur de la police, etc. En outre, vous apprendrez également à connaître les options du menu fichier, comme Ouvrir, Nouveau, Enregistrer, Enregistrer sous, les derniers documents utilisés, exporter en PDF et imprimer. Venez, commençons la cours d'aujourd'hui. Tout d'abord, tapez le paragraphe qui vous est présenté dans une diapositive vierge. Avez-vous tout fini de taper le paragraphe? Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez formater ces lignes en utilisant les options de la barre de formatage une par une. Sur la première ligne, montrez comment vous allez modifier le nom de police. Ensuite, modifiez la taille de la police pour la deuxième ligne. Ensuite, vous montrez tout comment vous allez rendre le texte de la troisième ligne gras, italique et souligné. Puis, changez la couleur du texte de la quatrième ligne et mettez-le en évidence. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardons cette vidéo pour apprendre comment formater le texte dans un fichier d'impresse. Nous avons tapé un texte dans ce document, comme vous pouvez voir en vidéo. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez formater. Notez que, avant de sélectionner le texte, il faut cliquer à l'intérieur du texte. Après avoir sélectionné le texte, cliquez sur le menu déroulant de l'option Nom de police. Vous y verrez les différents noms de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police selon votre choix. Voilà, le nom de police du texte sélectionné est changé. Ensuite, sélectionnez à nouveau un autre texte. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Taille de police. Ici, vous pouvez modifier le taille de police selon votre choix. Voilà, la taille de police est changée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur l'option G. Cette option indique gras pour mettre votre texte en gras. Cette option est disponible dans la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-B. Voilà, votre texte sélectionné s'apparaît en gras, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite,
Sélectionnez à nouveau le même texte. Puis, cliquez sur l'option I. Cette option est utilisée pour rendre votre texte en italique, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur l'option S. Cette option est utilisée pour souligner votre texte. Voilà, votre texte est souligné. Ensuite, sélectionnez un autre texte et cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de police. Une palette de couleurs de police apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur selon votre choix. Nous avons sélectionné une teinte de couleur verte. Voilà, votre texte sélectionné est changé en couleur verte, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, pour aligner votre texte, placez le curseur au début, au centre ou à la fin du texte que vous voulez aligner. Notez que l'option Aligner à gauche est activée par défaut. Notre texte apparaît dans un document à côté gauche de la page. Alors, pour changer son alignement, cliquez sur l'option Centrer. Cette option est disponible dans la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-E. Voilà, votre texte est aligné au centre de la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, placez le curseur à la fin de la prochaine phrase. Puis, cliquez sur l'option Aligner à droite pour rendre votre texte à côté droit du document. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-R. Voilà, votre texte est aligné à côté droit de la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons formater le texte dans un document d'impress. Avez-vous pu appliquer toutes les options du menu Format? Commençons maintenant à apprendre le menu Fichier. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option Nouveau? Avec l'option Nouveau, vous pouvez faire apparaître une nouvelle page et un nouveau document. Avez-vous réussi à faire apparaître un nouveau document? Si vous rencontrez un problème, apprenez-en regardant la vidéo. Apprenons comment ouvrir un nouveau fichier d'impress à l'aide de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, un fichier d'impress est déjà ouvert. Alors, pour ouvrir un nouveau fichier, cliquez sur le menu Fichier. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Nouveau. Une boîte apparaîtra avec les différentes options, comme document texte, classeur, présentation, etc. En ce moment, cliquez sur l'option Présentation. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-N. Une boîte d'assistant présentation apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir le type de présentation que vous voulez ouvrir. En ce moment, cliquez sur l'option À partir d'un modèle. Puis, cliquez sur le bouton Créer. Voilà, un nouveau fichier d'impress est ouvert. Dans ce fichier, vous pouvez voir dans la barre de diapositives les différents modèles de présentation prédéfinis. Ici, vous pouvez voir les différents modèles de diapositives prédéfinis. Vous pouvez voir deux fenêtres des documents Impress.
Dans le premier document, le type de présentation est la présentation vierge. Et dans le deuxième document, nous avons choisi le type comme à partir d'un modèle. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Ensuite, fermez le fichier que nous venons d'ouvrir. Cliquez sur le bouton Ignorer. Voilà, votre fichier est fermé. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir un document d'impresse. Voyons maintenant les derniers documents utilisés. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec les derniers documents utilisés? En utilisant l'option Derniers documents utilisés, vous pouvez voir les fichiers que vous avez récemment enregistrés et fermés. Vous pouvez également voir les fichiers sur lesquels vous venez de travailler. Maintenant, vous vous exercez tout à l'utilisation des derniers documents utilisés. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour en savoir plus. Apprenons comment ouvrir les derniers documents utilisés dans Impress. Tout d'abord, cliquez sur le menu Fichier. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Derniers documents utilisés. Une boîte apparaîtra avec la liste des documents récemment utilisés ainsi que leur chemin d'accès. Cliquez sur un des documents que vous voulez ouvrir. Voilà, le document est ouvert que nous avons sélectionné, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, fermez ce document si vous voulez en cliquant sur la croix rouge. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir les derniers documents utilisés dans Impress. Voyons maintenant ce qu'est exporté comme PDF. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec exporter comme PDF et quelle est la forme complète du PDF? En utilisant l'option Exporter comme PDF, vous pouvez convertir votre document dans un format dans lequel aucune modification ne peut être apportée. Une fois qu'un fichier est converti au format PDF, personne ne peut y apporter des modifications et on peut seulement le lire. Par conséquent, une fois que votre fichier est converti en PDF, les informations qu'il contient sont protégées. La forme complète du PDF est Portable Document Format. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez convertir votre fichier de présentation au format PDF. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment exporter votre fichier d'impresse en PDF. Comme vous pouvez voir, un fichier est déjà ouvert. Alors, pour exporter ce fichier en format PDF, amenez le pointeur sur le menu Fichier et cliquez-y une fois. Une boîte de différents sous-menus apparaîtra. Vous pouvez y voir deux options, Exporter et Exporter comme PDF. En ce moment, cliquez sur l'option Exporter comme PDF. Une boîte d'options PDF apparaîtra. Ici, vous pouvez changer les paramètres selon votre choix. Ensuite, cliquez sur le bouton Exporter. Une autre boîte d'exporter apparaîtra.
Ici, vous pouvez choisir emplacement où vous voulez garder votre fichier. Puis, cliquez sur l'emplacement Bureau. Votre fichier sera enregistré sur Bureau. Ensuite, cliquez sur l'option Enregistrer. Maintenant, votre fichier est enregistré en format PDF sur Bureau de votre ordinateur. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Fichier et cliquez sur le sous-menu Exporter. Une boîte d'exporter le fichier apparaîtra. Tapez un nouveau nom de votre fichier dans la boîte de nom du fichier. Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer. Maintenant, votre fichier est exporté en format PDF avec un autre nom. Maintenant, minimisez votre fichier d'impresse pour voir votre fichier en format PDF. Minimisez tous les documents ouverts. Comme vous savez, nous avons enregistré notre fichier sur Bureau. Vous pouvez voir son icône ici. Alors, cliquez deux fois sur le même icône. Voilà, votre fichier en format PDF est ouvert, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous ne pouvez pas modifier le texte de ce fichier. Vous pouvez seulement le lire, copier ou coller. Maintenant, fermez ce fichier. Ensuite, vous pouvez maximiser votre fichier d'impresse pour y travailler. Donc, c'est comme ça, nous pouvons exporter un fichier d'impresse en format PDF. Vous allez maintenant apprendre à utiliser le sous-menu Enregistrer de fichiers. Pouvez-vous dire pourquoi nous enregistrons un fichier? En utilisant l'option Enregistrer, vous pouvez faire apparaître votre fichier enregistré plus tard lorsque vous en avez besoin. Et si nécessaire, vous pouvez y apporter des modifications. Maintenant, vous allez tout enregistrer votre fichier sur le bureau. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment enregistrer un fichier d'impresse à l'aide de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, un fichier d'impresse est déjà ouvert. Mais ce fichier n'est pas encore enregistré, comme vous pouvez voir son nom dans la barre de titre. Alors, pour enregistrer ce fichier, cliquez sur le menu Fichier. Puis, cliquez sur le sous-menu Enregistrer. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-S. Une boîte d'enregistrer apparaîtra. Tout d'abord, sélectionnez l'emplacement où vous voulez garder votre fichier. Vous pouvez sélectionner n'importe quel emplacement selon votre choix. Nous avons sélectionné Bureau comme emplacement. Vous pouvez aussi voir l'emplacement que nous avons sélectionné dans la barre de l'adresse. Puis, tapez un nom de votre fichier dans la boîte de nom du fichier. Nous avons tapé Leçon 3. Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré. Vous pouvez aussi voir son nom dans la barre de titre. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons enregistrer un fichier dans Impress.
Voyons maintenant ce qu'est l'option ouvrir. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option ouvrir? L'option ouvrir vous permet d'ouvrir les fichiers que vous avez enregistrés précédemment et de travailler dessus. Maintenant, montrez à tous comment vous allez ouvrir n'importe quel autre fichier et en cas de difficulté, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment ouvrir un fichier déjà enregistré dans Impress. Pour le faire, tout d'abord, cliquez sur le menu Fichier. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Ouvrir. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl-O. Une boîte d'ouvrir le fichier apparaîtra. Tout d'abord, cliquez sur Emplacement d'où vous voulez sélectionner votre fichier. Notez que si vous sélectionnez n'importe quel emplacement, le nom de même emplacement s'apparaît dans la barre de l'adresse. Ensuite, cliquez sur Emplacement Vidéo. Puis, cliquez sur le dossier Impress 1. Puis, cliquez sur le dossier Classe 2 et sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir. Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir. Voilà le fichier d'Impress qui était déjà enregistré sur l'ordinateur et ouvert, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez voir que deux fichiers d'Impress sont déjà ouverts et vous pouvez travailler sur celui que vous voulez. En ce moment, fermez le fichier que nous venons d'ouvrir. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir un fichier d'Impress. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons Enregistrer sous? Grâce à l'option Enregistrer sous, vous pouvez enregistrer vos fichiers déjà enregistrés sous un autre nom et un autre emplacement. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre Enregistrer et Enregistrer sous? Vous utilisez l'option Enregistrer pour enregistrer un fichier pour la première fois. Toutefois, si vous souhaitez enregistrer un fichier déjà enregistré sur votre ordinateur sous un autre nom et un autre emplacement, vous utiliserez l'option Enregistrer sous. L'option Enregistrer sous vous informe également de l'emplacement où votre fichier a été enregistré. Votre fichier existant sous un nom différent et a un emplacement différent en utilisant l'option Enregistrer sous. Si vous avez un problème, regardez la vidéo et suivez-la pour vous aider à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment enregistrer sous un fichier d'Impress. Vous pouvez voir qu'un fichier est déjà ouvert, qui est déjà enregistré sur l'ordinateur. Si vous voulez enregistrer sous le même fichier, cliquez sur le menu Fichier. Comme notre fichier est déjà enregistré, alors l'option Enregistrer n'est pas encore activée, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur l'option Enregistrer sous. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl majuscule S. Une boîte d'enregistrer sous apparaîtra. Maintenant, vous pouvez voir que l'emplacement qui est sélectionné est bureau. Vous pouvez changer son emplacement selon votre choix. Cliquez sur Emplacement vidéo. Ensuite,
Cliquez deux fois sur le dossier Impress 1. Cliquez deux fois sur le dossier Classe 3. Vous pouvez aussi changer le nom de votre fichier si vous voulez. Again, sinon, vous pouvez garder le même nom. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est maintenant enregistré dans un emplacement que vous avez sélectionné. Donc, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer un fichier dans Impress. Voyons maintenant ce qu'est imprimer. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Imprimer? L'option Imprimer vous permet d'imprimer votre document. En imprimant votre document sur une page, vous pouvez facilement voir l'ensemble du document sur le papier. En utilisant Imprimer, vous pouvez convertir une version numérique en document papier. À l'aide d'une vidéo, voyons comment utiliser l'option Imprimer. Regardons cette vidéo pour apprendre comment imprimer un fichier d'impresse en version papier. Tout d'abord, cliquez sur le menu Fichier. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Imprimer. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-P. Une boîte d'imprimer apparaîtra. Ici, vous pouvez changer les paramètres selon votre choix. À côté gauche de la boîte, vous pouvez voir l'aperçu de l'impression. Ensuite, vous pouvez aussi voir la boîte d'imprimante. Dans cette boîte, vous pouvez voir les noms des imprimantes connectées à votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner le nom de l'imprimante que vous souhaitez utiliser pour imprimer. Ensuite, vous pouvez modifier le nombre d'exemplaires selon votre choix. Vous pouvez utiliser la flèche haute et bas pour le faire. Comme vous pouvez voir, l'imprimante Microsoft XPS Document Writer est sélectionnée. Alors, elle sera la source d'imprimer. Puis, cliquez sur le bouton Imprimer. Une autre boîte d'enregistrer le fichier en tant que apparaîtra. Notez que ce type de boîte s'apparaît quand aucune imprimante est connectée à l'ordinateur. Alors, vous pouvez enregistrer votre fichier pour l'imprimer plus tard. Tout d'abord, tapez un nom de votre fichier dans la boîte de nom du fichier. Puis, sélectionnez Bureau comme emplacement. Vous pouvez voir le type de fichier dans la boîte de type. Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré pour imprimer plus tard. Vous pouvez voir son icône sur Bureau. Cliquez deux fois sur le même icône. Voilà, le fichier que nous avons enregistré est ouvert. Ici, vous pouvez voir l'option d'imprimer. Cliquez sur cette option. Une boîte d'imprimer apparaîtra. Ici, vous pouvez changer les paramètres selon votre choix. Si une imprimante est connectée à votre ordinateur, cliquez sur le bouton Imprimer. Sinon, cliquez sur le bouton croix rouge. Donc, c'est comme ça, nous pouvons imprimer un document d'impresse en version papier. L'option suivante est quitter.
Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option quitter? En utilisant l'option quitter, vous pouvez fermer votre fichier. Maintenant, allez-y et utilisez l'option quitter pour fermer votre fichier. À l'aide d'une vidéo, voyons comment utiliser l'option quitter. Regardons cette vidéo pour apprendre comment sortir du fichier d'impresse en utilisant l'option quitter. Comme vous voyez, un fichier d'impresse est déjà ouvert. Alors, pour fermer ce fichier, amenez le pointeur sur le menu Fichier et cliquez-y une fois. Une boîte apparaîtra avec les différents sous-menus. Vous devez cliquer sur le sous-menu Quitter. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Q pour fermer le fichier. Une boîte d'OpenOffice apparaîtra avec trois options: Enregistrer, Ignorer et Annuler. En ce moment, cliquez sur l'option Ignorer. Voilà, votre fichier est fermé, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons fermer un fichier d'impresse en utilisant l'option Quitter. Nous allons terminer le cours d'aujourd'hui ici. Si vous n'avez pas fermé votre fichier, allez-y maintenant et fermez votre fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, à l'aide de la bague d'outils de formatage, vous vous êtes exercé à utiliser le nom de la police, la taille de la police, le gras, l'italique, le soulignage et la couleur de la police. Vous avez également appris à connaître certaines des options du menu Fichier, telles que Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous et Exporter en PDF. Donc, bonne journée et à bientôt!